Allez, coucou, bonjour, j'espère que tout le monde se porte très très bien, et chez toi, à la maison, tout le monde va bien. Allez, on y va. Nous allons passer très rapidement au tirage de la semaine, d'accord? Pour voir un peu les énergies qui continuent de tourner, d'accord? À partir de ce jour, d'accord? Jusqu'à la fin de la semaine. On ira voir ensemble. Alors, j'espère que tu t'es déjà abonné à ma chaîne, d'accord? Si ce n'est pas encore fait, eh bien, je te prie bien de le faire, s'il te plaît, parce que tu vas m'apporter un de plus. En fait, c'est ta manière à toi de me soutenir, de m'assister et de me dire, ouais, force à toi, continue, d'accord? Alors, je suis très, très contente parce que tu n'arrêtes pas d'être là, toi qui t'es déjà abonné à moi. Merci pour ton soutien, merci, parce que c'est grâce à toi que je continue de faire des efforts. Alors, n'arrête pas de continuer à partager mes vidéos, d'accord? N'arrête pas de commenter, n'arrête pas d'aimer en appuyant sur ce petit pouce, d'accord? Il y a plein de vidéos déjà en semaine en ligne, d'accord, que j'ai déjà balancé. La vidéo de la triangulaire, tu peux faire un tour pour aller voir un peu la triangulaire de la semaine. Si entre-temps tu es en triangulaire, la semaine de la pleine lune est là. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans la pleine lune, d'accord? Ce tirage, plutôt cette vidéo, va t'aider, va t'orienter, d'accord? Alors, les autres vidéos également sont là, vidéo célibataire, tirage célibataire, tirage questions-réponses. En tout cas, il y a plein de tirages pour toi cette semaine. N'hésite pas à aller faire le tour et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, ça va t'aider à mieux t'orienter, d'accord? Allez, on y va. Nous allons laisser les énergies parler, nous allons laisser les guides parler ce matin eux-mêmes, d'accord? Et pour voir les messages de la semaine. Alors, chers guides, s'il vous plaît, quels sont les messages que vous avez pour nous cette semaine? À compter de ce jour, qu'est-ce qui vient vers nous? Ou bien, vers quoi est-ce que nous-mêmes on va? D'accord? Alors, je vais partir rapidement pour une coupure. Alors, heureusement, d'accord, les messages ont commencé. J'avais voulu aller par une coupure, mais non, les guides ont voulu parler. D'accord, ben on y va, on va continuer. Alors, quel est le message qui vient vers nous cette semaine? Ou bien, en fait, nous-mêmes, on va avec quel message? Quelles sont les énergies? D'accord? Le tirage de la semaine du 17, d'accord? Et je pense qu'aujourd'hui nous sommes déjà au 18. Alors, du 18 au 23, quel est le message que nous devions avoir? Ben, je ne vais pas prendre beaucoup de messages, je vais juste te prendre quelques messages ce matin. Déjà que je vois qu'il y aura de très belles nouvelles pour toi cette semaine, d'accord? Parce que je suis en train de voir une stabilité qui vient vers toi, une stabilité bien protégée, une stabilité bien protégée, d'accord, sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan administratif, et que je vois ici que tu es protégé par tes ancêtres, d'accord, je vois que tu es protégé d'une femme. Tu es protégé d'une femme ou bien des personnes, d'accord, manipulateurs, des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions vis-à-vis de toi. Je vois que tu es protégé contre ces genres de personnes. Et du coup, à côté de ça, je vois que, en fait, quelqu'un vient vers toi, d'accord? Quelqu'un vient vers toi cette semaine-ci, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans la semaine, tu as une rencontre à faire. C'est quelqu'un qui va se déplacer vers toi, d'accord? Ou bien qui va te demander une rencontre, ça sera quand même une invitation, tu vois? Et c'est quelqu'un, en fait, qui aimerait partir sur de nouvelles, bien sûr, de nouvelles bases avec toi. C'est quelqu'un qui aimerait avoir, c'est-à-dire un nouveau départ avec toi, qui aimerait bien te proposer un déménagement, qui aimerait bien, excuse-moi, je vais chercher la carte,
qui aimerait bien avancer avec toi, d'accord, sur une autre manière, d'accord. Donc, ben, je vois ici, c'est quelqu'un, en fait, tu auras de ces nouvelles, hein, tu auras de ces nouvelles. Je remarque ici que selon les énergies, que tu as été très longtemps bloqué, d'accord, toi, la consultante, ou bien le consultant qui me suit actuellement, tu as été très, très longtemps bloqué, et puis on te dit non, la victoire est déjà à ta porte, d'accord, la victoire est déjà à ta porte, tu auras des nouvelles bientôt, d'accord, tu auras des contacts, tu auras des appels, tu auras des messages qui vont t'ouvrir la porte, d'accord, ou bien il y a quelqu'un qui devrait venir vers toi depuis longtemps, d'accord. Je veux parler sur le plan sentimental, quelqu'un avec qui tu voudrais bien avoir peut-être un contrat d'engagement, d'accord? Et sur le plan sentimental, c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup, qui est amoureux de toi. On voit ici que c'est quelqu'un qui a été en union avec toi, d'accord? Quelqu'un avec qui tu as eu à passer quand même de bons moments sur le plan sentimental. Et puis, tu t'attendais d'un seul coup à un contrat. Et je pense que c'est quelqu'un aussi qui avait ça dans la tête, son souhait, c'était en fait, de s'engager définitivement avec toi. Mais on constate ici qu'il a été très, très, très longtemps bloqué, d'accord, et retardé, d'accord. Du coup, ça vous a coincé, ça vous a bloqué. On vous dit maintenant, c'est débloqué, d'accord, la situation est débloquée. Cette semaine, elle sera débloquée. Du coup, eh bien, la victoire est à votre porte. Du coup, le triomphe est à votre porte. Et du coup, on te dit que non, ne t'inquiète pas, tranquille, hein, parce que là, les opportunités sont en train de venir vers toi. Il y a une stabilité que je suis en train de voir là qui vient à toi cette semaine-ci sur le plan sentimental. Tes projets, d'accord, tes projets vont commencer par prendre petitement, d'accord, et ça va y aller parce que là, je vois la protection de la main divine sur toi, d'accord. Et puis financièrement, les choses vont commencer par s'améliorer également pour toi, d'accord. Alors, je te disais de méfier tout à l'heure d'une personne ou bien de certaines personnes dans ton entourage qui ne t'apportent pas de bonnes choses. C'est des personnes un peu manipulateurs, d'accord? Et je vois ici, tu es protégé, hein, tu es vraiment protégé, surtout par cette pleine lune de ces genres de personnes. Du coup, je remarque qu'un homme d'affaires vient vers toi, d'accord? Ou bien toi-même, tu es en train de souhaiter, d'accord, te mettre dans les affaires, d'accord? Que ce soit toi-même, tu aimes beaucoup te déplacer, toi-même, tu aimes beaucoup les mouvements, d'accord? Tu aimes beaucoup les va-et-vient, tu aimes beaucoup, en fait, ton travail, mais je vois ici que tu n'es pas un fonctionnaire, mais tu es quelqu'un qui est dans les affaires, d'accord? Qui aime les allers-retours. Au karma, c'est quelqu'un qui vient vers toi, d'accord? Et qui vient te proposer un déménagement, un nouveau départ, où on te dit que si c'est toi-même le consultant ou bien la consultante qui me suit, eh bien, il y a un nouveau départ qui est lancé pour toi cette semaine-ci, d'accord? Du coup, tu vas passer par un déménagement, d'accord? Ou bien par un changement de lieu. Quand même, quelque chose va se faire déplacer ou bien quelqu'un te propose un déplacement. On te dit que c'est quelque chose qui va t'apporter qui va te faire du bien. Ce déménagement ou bien ce nouveau départ, c'est quelque chose qui va te faire du bien parce que ça va t'ouvrir des portes, d'accord? Sur le plan professionnel, d'accord? Les choses vont s'arranger pour toi. Et là, on te dit que tu as été longtemps contrarié, d'accord? Tu as été longtemps peut-être en colère, peut-être pas trop dans ta peau, d'accord? Soit tu as eu beaucoup de soucis qui t'ont beaucoup embêté, d'accord, des contrariétés quand même ici, des contretemps, d'accord, et on te dit aujourd'hui, non, laisse tomber, d'accord, tout va rentrer dans l'ordre, tout va rentrer dans l'ordre parce que si c'est concernant le travail, d'accord, et le domaine administratif,
administratif ou bien la stabilité de tes activités, d'accord, que ça te préoccupait si tant et ça t'énervait parce que tu te sentais pas que en fait dans ton travail, genre, tu te sentais bloqué, tu te sentais en difficulté, tu avais beaucoup de soucis, du coup, tu étais trop contrarié, d'accord, on te dit non, laisse, parce que là, il y a une amélioration qui vient vers toi, d'accord, il y a une amélioration qui vient vers toi sur le plan, comment dirais-je, sur le plan administratif, d'accord, tes projets vont commencer à prendre, alors pas d'inquiétude, voilà un peu le message que moi, je peux t'apporter de façon générale. Les énergies. Donc, on me dit tout simplement que cette semaine, de belles choses viennent vers toi, d'accord? Avec un peu plus de stabilité, les choses vont commencer par s'améliorer, d'accord? Donc, voilà, donc le message que je peux te passer. Alors, je vais te prendre quelques autres messages, d'accord? Très rapidement, pour voir un peu quelles seront tes méfiances. Et comment est-ce que tu dois réellement t'orienter face aux personnes avec qui tu seras dans cette semaine pour ta réussite? Parce que là, je te vois une réussite. Comment est-ce que tu dois t'orienter pour ne pas que tu tombes dans des pièges, pour ne pas que c'est-à-dire tu sois aveugle face aux gens qui doivent venir vers toi et pour ne pas que ces gens de personnes t'empêchent d'entrer dans ta gloire, d'accord? Alors, on y va ensemble pour voir un peu quelles sont les informations, d'accord? Pour que tu puisses t'en sortir dans la semaine, d'accord? Alors, on y va. Déjà que moi, je vois que tu as la victoire, moi, ça me plaît déjà, hein, parce que c'est de très belles messages. La victoire, tu as la joie, tu as le bonheur, tu as l'abondance, tu as les portes qui s'ouvrent pour toi. Écoute, hein, tu triomphes tout simplement. Tu triomphes tout simplement. C'est comme si tout ce que tu attendais vient d'un seul coup. Vient d'un seul coup. Et puis, ouais, la sagesse, d'accord? Ben, écoute, je pense ça parce que je n'en voulais pas beaucoup. Hein. Je n'en voulais pas beaucoup. Donc, nous allons juste essayer de voir quel est le message important pour nous, d'accord? Alors, ici, je vois qu'on te parle d'une révélation, d'accord? Tu auras une révélation, donc du coup, tu as certainement une rencontre, d'accord? Et donc, comme je le disais ici, c'est quelqu'un qui viendra avec toi, d'accord? Avec qui tu vas causer, et ça sera certainement une invitation, d'accord? Voilà, on m'a dit, tu auras de ces nouvelles, tu auras les nouvelles de cette personne. Du coup, ça sera une assise, d'accord? Ça sera une invitation. Ça sera un face-à-face, d'accord? Vous allez discuter et au cours de cette discussion, je pense que c'est ton homme de cœur, hein? C'est ton homme de cœur, c'est celui que tu veux, c'est celui que tu admires si tant, c'est celui avec qui tu souhaites, d'accord? Ou bien tu souhaiterais rester. Et du coup, on te dit, au cours de cette discussion, c'est quelqu'un qui va te révéler des choses, c'est quelqu'un qui va faire son retour vers toi, d'accord? Tu ne t'y attendais plus, voilà. Donc, cette personne va t'appeler subitement. Parce qu'il aimerait te rencontrer, parce qu'il aimerait te voir, certainement, parce qu'aujourd'hui, il a compris beaucoup de choses. Aujourd'hui, il a compris que tu es l'amour de sa vie. Aujourd'hui, il a compris que c'est toi qu'il aime. Et c'est avec toi, il aimerait, en fait, construire sa vie. Du coup, il quitte une situation, d'accord? C'est quelqu'un, il quitte une situation. C'est quelqu'un, c'est-à-dire, il tue. D'accord, une situation en lui ou bien autour de lui pour venir vers toi, pour se retourner à toi, pour venir te parler, d'accord? Parce qu'il sait que tu es son amour, il sait que tu es sa flamme jumelle en quelque sorte, celle qui est destinée pour lui, d'accord? Du coup, il vient à toi et au cours de la discussion, il va te t'avouer certaines choses, d'accord? Tu auras certaines révélations et il faudrait pas que ça t'inquiète, il faudrait pas que ça te bouleverse, d'accord, du tout pas ma chouchoute. Alors tranquille, tu te dis, ouais, ben c'est normal parce que le moment est arrivé, il faudrait que je sois au courant, d'accord. Et donc, ça dit, tu profites de ça
pour pouvoir mieux t'orienter tout au long de la semaine. Voilà les messages que je tiens à te passer, ma chouchoute, mon chouchou. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, s'il te plaît. Si ce n'est pas encore fait, j'ai remarqué que vous êtes nombreux à me suivre, mais très moins à vous abonner. Abonnez-vous, 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 ça. C'est la joie que vous laissez sur mon cœur, d'accord? Et ça m'encourage d'avancer. Et n'arrêtez pas non plus aussi de commenter, d'accord? De me demander les tirages que vous voulez, d'accord? Peut-être que vous pouvez me proposer des tirages pour vous particulièrement, pour que je puisse vous passer des messages. Alors, je suis très, très contente d'avoir passé ce moment avec vous tout à l'heure. Et n'hésitez pas d'aller visiter les autres vidéos également. N'oublie pas d'appuyer sur ce petit pouce. Ça s'appelle j'aime. Merci d'avance. Allez, bye bye.